someone who's free as me. I see lights so bright, no one can see. We see the time is running out, so we gotta rest and breathe. À l'hôpital, on a souvent l'impression de se lancer dans un combat perdu d'avance. Clément. C'est un peu David contre Goliath. Clément. Le petit berger contre le guerrier de 2 m80. Le problème ici, c'est que le géant contre lequel on se bat, nous, on peut même pas le voir. Il est invisible. Il grandit, caché en nous, toujours plus fort. Mais même si on est tout petit, même s'il est très grand et très fort, c'est parfois nous qui gagnons, comme le petit berger. Clément, réveille-toi. Clément. 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 Clément, c'est nous. Elle est où, Nour ? Elle en est où, là ? Clément, l'hôpital, l'opération. T'es avec nous, maintenant. C'est fini, mon chéri. Tout va bien. Mais je suis vivant, alors ? Oui, mon chéri. Bon, il se peut qu'il ait des douleurs encore pendant quelques jours, hein, ne vous inquiétez pas. Mais ça s'est bien passé. On a eu quelques complications, mais on a pu enlever l'intégralité de la tumeur. Donc oui, l'opération s'est bien passée. On va faire un dernier cycle de chimiothérapie pour réduire les risques de récidive. Il faut attendre ses résultats, mais le plus dur est derrière lui. Vous avez largement le droit d'y croire à nouveau. Hein ? En tout cas, c'est un coriace, votre fils. Ouais, à se demander d'où il tient ça. Parce que quand je vois dans quel état je suis, moi, je... Bon, je vais demander à ce qu'on le ramène dans sa chambre, hein? Allez, je vous tiens au courant. Merci beaucoup. Bon courage. Allez, ça va aller. Bah, j'ai changé le pignon, normalement la boîte de vitesse, elle est comme neuve, hein. Bon, bah merci. C'est normal. Ça a l'air parfait. Tenez. Merci. Je passerai le bonjour à Monsieur Kamisoko. Ok. Toujours un plaisir de venir chez vous. Et encore merci pour votre travail. C'est gentil. Tenez. Non. Vous le méritez, vous avez travaillé vite. Merci. En prie. Bon, faites attention à vous, hein.
Oui, mais le téléphone, c'est pendant la pause. Bon, allez! Oui! Ça va, il va bien? Oui, il va bien. Hey, salut, Maddy. Ça va? Ça va, et toi? Ça va bien? Bonjour. Monsieur, s'il vous plaît, oui. On attend le docteur Mestra, s'il vous plaît. On va aller le chercher pour vous. D'accord. Merci, au revoir. Donc, je vous laisse ici. Le médecin, elle arrive bientôt. Hop, je le garde. Allez, à tout à l'heure. Le casque, tu peux? Le casque, ouais. Ouais. Ouais, c'est emballé, ça. Okay. Les livres? Les livres. Ah ouais, seuls les livres neufs. Ouais. Par contre, je peux juste cela, ça non. Okay. Ça a l'air compliqué, ton truc. En gros, si c'est pas neuf, il y a des bactéries. Donc, je peux pas. Mmh. Du coup, ton ordi, tu peux pas? Non. Non. C'est la chambre stérile. Mmh. C'est compliqué. Mais ils vont m'enfiler un autre. Mmh. Enfin, ça sera sûrement un truc du Moyen-Âge, mais ils vont m'enfiler un autre. C'est quand la greffe? Non, 10 jours. D'abord, ils vont commencer à flinguer mon système immunitaire avec la chimio. Ouais, et après, hop, une petite greffe de la moelle osseuse, et puis voilà. Qu'est-ce que ça va, tu flippes pas trop? Tu sais, moi, j'ai tellement attendu qu'au final, enfin, 2 mois de prison, c'est rien, tu vois. En plus, je vais pouvoir faire plein de trucs, je vais pouvoir méditer, je vais pouvoir me recentrer sur moi-même, parce que je le fais jamais, tu vois. Enfin, je sais pas, je vais faire des trucs, quoi. Faire la position du lotus, tu vois. Bon, y a encore des choses que tu dois prendre. Tiens. Tiens. Prends. Cadeau. T'en souviens? Ouais, je m'en souviens, ouais. Ça te plaît? Ouais. Peut-être que ça plaira à Clément. Ben oui, ben bien sûr que je me suis cramé, tu vois quoi. Avec tous tes messages là, tes sourires niais. Mais c'était cramé depuis le début en fait, donc vas-y, avoue. Mais avoue que t'es amoureuse. T'es amoureuse. Mais dis-le. Dis-le. Arrête de lancer des trucs dessus, c'est pas stérile ça. Oh la cochonne. Allez, à tout à l'heure. Vous mangez tout, hein. Bonjour. 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 Donc voilà, mon ami. Je compte vraiment sur toi. Ok, Oscar. Je m'occupe de tout, hein. Je te tiens au courant. Oui. Allez, salut. Salut. Nour, t'es là? Comment tu te sens? Ça va. Mmh. Hey, tu te rends compte? Je suis vivant. Je suis putain de vivant. Je l'emmerde, le cancer. Wow. Wow. T'es vraiment une bombe, hein. Non mais c'est vrai, t'es hyper belle, t'es hyper attirante, sensuelle.
Ok, t'as l'air fatigué, je vais te laisser. Non, pas tout de suite. Bonjour. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Mais je t'ai pas trouvé dans ta chambre, on m'a dit que tu serais là. Je suis passée voir Clément, il vient de se faire opérer. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Mais vous aussi, vous êtes une bombe. Pardon? Ok, maman, on va y aller. On va le laisser. Les chats font pas des chiens, hein, c'est ça qu'on dit. Mais il va pas bien, lui. Non, mais c'est la morphine. Les bombasses. Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va? Alors, ça va, mon grand? Comment ça, mon grand? Il est important de conserver une distance avec le patient, monsieur. Moi, c'est docteur. Alors, montrez-moi cette tension. Oui, docteur. Très bien. Bon, écoutez, je ne vois pas de contre-indication à ce que vous sortez dès demain matin. Vous avez une santé de jeune homme. Il est tout de même un peu fatigué, le jeune homme. C'est vrai que vous avez la truffe un peu humide, mais rien d'inquiétant. C'est sympa, Daniel, d'être venu te voir. Pourquoi tu lui as passé les clés? Si t'avais besoin d'un truc, fallait me demander, je sais pas moi. Il va faire visiter le garage. Quoi? À qui? Ben, il connaît quelqu'un qui est intéressé, très intéressé même. Il veut venir voir le garage à 15h. Mais pourquoi? Mais dis, je vais revendre le garage. Ça fait déjà quelque temps, j'y pense. Tu sais, je dois beaucoup d'argent. Et puis en plus... Mais je sais pas, mais on a des clients, ils sont contents. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mon petit. En plus, j'en ai parlé avec le docteur. Je crois qu'il faudrait mieux que je m'arrête de travailler. Tu comprends? On va trouver une solution. Je sais pas, moi j'arrête de travailler ici et je vais au garage. Mais comme ça, on se fait encore plus de clients et on n'a plus besoin de revendre. Dis pas n'importe quoi. Mais le garage, c'est la famille. C'est toi, c'est moi, c'est papa, c'est maman, mais c'est toute la famille Kamisoko. On peut pas s'en séparer. Oui, tu as raison, mais c'est comme ça, Mehdi. Il faut qu'on avance. Toi-même, tu sais, non? T'es de bonne humeur? Ah ouais? Non, parce qu'on se fait la bise carrément, c'est... Ouais. Laura, on y va? Ouais. Attends, juste, est-ce que tu pourras me prêter tes cours pour que je puisse rattraper? Donc en fait, tu viens me parler que quand t'as besoin? Non, bah si. Je te ferai des photocopies. Laura, tu viens? Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Salut quand même. Bonjour Alain. Je prie de m'excuser, hein. Un petit peu à la bourre. Entrez, installez-vous. Bah tu viens pas? Oui. Assieds-toi mon grand. J'ai eu ta maman au téléphone qui m'a un peu expliqué la situation. Et moi, j'aimerais juste savoir une chose. Qu'est-ce que vous vous racontez avec cet Iris? Ah, excusez-moi, mais j'aimerais bien voir les résultats de l'IRM avant là. Ouais, ma mère a raison, je passais des examens et c'est pour ça qu'on est là, non? Ouais, c'est vrai. Regarde, les résultats sont là et tout va bien. Voilà. Alors maintenant, c'est à ton tour de me répondre. De quoi vous parlez avec cet Iris?
Elle veut que je trouve une fille qui s'appelle Olivia. C'est son amie, mais elle n'est pas au courant pour son accident. Sa famille la connaît pas, mais je crois que c'est vraiment très important pour elle. Non, mais ça sert à rien d'en parler, là. Non, mais c'est pas ça, mais c'est compliqué, quoi. D'abord, tu nous parles d'une Iris, maintenant Olivia, tu vois. C'est... On pourrait peut-être essayer de savoir si, dans l'entourage d'Iris, il y a une Olivia. Hein? Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Ah non, tu vas pas t'y mettre. Ok. Bon. Tu nous laisses une minute, tu veux bien? Merci, Com. Venez, monsieur. Venez, je vous en prie. Asseyez-vous. Comme je vous le disais, strictement rien d'anormal dans l'IRM. Rien d'anormal? Mais mon fils a des visions. Tout le monde le prend pour un fou. Il n'y a rien d'anormal. Bon, on peut peut-être pousser les examens, non? Alors, bon, concernant les visions, comme vous dites, c'est vrai que je dois dire que là, on atteint les limites de mes compétences. En revanche, peut-être que monsieur a raison. Je me suis dit juste que ça pouvait aider. Hein. Non, pour vous donner un exemple plus concret, chez les patients atteints de délire, les psychothérapeutes s'accordent tous à dire que la meilleure des méthodes est d'aller dans leur sens, de ne pas les contredire. Peut-être que vous aussi, vous devriez accompagner Com dans sa démarche, non? Et c'est le docteur qui le dit. N'importe quoi. Toujours si dégueu ici. Je peux te piquer ta compète? Non, vas-y. De toute façon, j'ai mal au crâne, là. Je m'y ferai jamais à la morphine. Hein. Fais gaffe, mec. Là, c'est une phrase de drogué. Bon. Sinon, c'est quoi la suite? Tu me rejoins dehors un jour ou quoi? Bah, la suite, c'est que mon foie va repousser. Ah, c'est très bien, ça. Un foie de perdu, 10 heures trouvées. Bon, et toi, raconte. J'en ai marre de parler de moi, là. Ma vie, mon œuvre, mes cancers. Mais non, c'est normal qu'on parle de toi. T'es un ressuscité. Je sais pas si tu te rends compte, Jésus à côté, c'est un petit joueur. Hein. Genre, limite, tu pourrais écrire la Bible 2. Non, mais sérieux, le lycée, c'est comment? On est plusieurs. Et les meufs, alors? Ah, il y a une meuf. Ouais, mais laisse tomber, c'est mort. Pourquoi? Merde. On voit que ça? Évidemment qu'on voit que ça. C'est ça qui est trop bien, t'as un cyborg, je te dis. Tiens, passe-moi mon sac. Il est dans l'armoire, là. Ça va? Ouais, on va. Qu'est-ce que tu veux faire? Merci. Tu vas voir. Je vais t'arranger ça. Zioup, zioup. Ça va? Ouais. Ça me fait chier d'aller en cours, mais sinon ça va. C'est courageux ce que t'as fait. Ça te va bien en plus. On va en cours? Tu m'accompagnes? Ouais. Te prends pas la tête. Laisse-lui du temps à ta mère, c'est tout. Je crois que je suis fou. Qu'est-ce que tu racontes? Bah, je sais pas, Olivia, tout ça, si ça se trouve, c'est juste dans ma tête. Quoi? En fait, je crois que j'y crois plus. Olivia, elle existe peut-être pas. Eh, c'est une blague ou quoi, là? Tu nous saoules avec ça depuis le début, et là, t'y crois pas. Moi, je te crois, d'accord? Iris, elle existe, elle est dans le coma. Ouais. Bon, bah, suite de prouver l'existence d'Olivia, t'auras raison. C'est quoi le numéro de la chambre d'Iris? 66. Ok. Venez? Occupe ta mère 5 minutes. Mais il va où? Il a oublié un truc dans le bureau, il m'a dit qu'on l'attend à l'extérieur. Ah, enfin! Merci. Bon appétit. Ah non! Quoi? Oh, si toi aussi tu te mets à faire la gueule, on n'est pas arrivé. Hein. Je fais pas la gueule? Ah si? Non. Si, ça s'appelle faire la gueule. Hein? Allez, viens, assieds-toi et raconte-moi. Ça me fera passer le temps, hein, parce que là, depuis tout à l'heure, hein. C'est mon papy. Oui. Quoi? Depuis que je travaille plus avec lui, il a des problèmes de santé et d'argent.
Du coup, il veut revendre. Revendre quoi? Bah, son garage. Enfin, c'est notre garage à tous les deux. Eh ben, son âge, il fait ce qu'il veut, non? Justement, mais je sais qu'il me le dira jamais, mais je sais qu'au fond, il veut pas. C'est un sentimental, mon papy. Limite, il ferait une autre attaque de plus l'avoir, le garage. C'est de ma faute. Je devrais pas être ici, à l'hôpital. Mais ça, mon vieux, y a que toi qui le sais où tu dois être. Hein? Et le savoir, c'est pas facile tous les jours. Je te l'accorde. Bon, ben, je vais aller retrouver ta grand-mère pour faire des courses et puis on reviendra après. Hein, t'es d'accord? Ouais, ça marche. Allez. Redis-moi où t'es là exactement. Attends, je suis à New York. Waouh! Mais c'est méga grand. Mate-moi ça. Là, c'est le pont de Brooklyn. Bien sûr que c'est grand, hein. C'est New York, tu crois quoi? T'es sur un toit là? Ouais, je suis sur un toit, au 5e étage. D'ailleurs, merci pour les cadeaux. Hein. T'inquiète. D'ailleurs, j'ai mis de l'indice 50 dedans, tu mettras ça quand tu viendras me voir. Avec toute la chimio que tu t'es tapé. Au pire, je chope un petit cancer de la peau. Ah, bien sûr. Genre d'opération là, je fais les blagues que je veux. Et au fait, je t'ai pas dit que j'avais une copine. Quoi? Oh, j'en étais sûr. Ah, attends, je dois te le laisser, je te rappelle plus tard. Mais qui c'est qui? C'est qui? C'est qui? Bonjour Clément. Bonjour. On peut se parler? Ouais. Écoute, je sais que c'est pas facile pour toi non plus, mais j'aimerais que tu laisses Nour tranquille. Pardon? Non, mais c'est pas contre toi, mais je pense que c'est mieux si ma fille reste concentrée sur sa guérison. Quand vous serez dehors, vous ferez ce que vous voudrez, mais là, franchement, c'est pas le bon moment. Ni pour elle, ni pour toi. Et qu'est-ce qui vous donne le droit de dire ça? Je suis sa mère. Oui, mais votre fille, elle a 17 ans. Elle a peut-être 17 ans, mais elle est fragile. C'est pas le genre à courir les garçons. Alors donc, l'hôpital, tu vois, c'est pas l'endroit idéal pour avoir un premier petit copain. Je sais que ça peut paraître injuste, mais je te demande de ne plus la voir. Hein? C'est pour elle que tu fais ça. On est bien d'accord. Je compte sur toi. Jessica, t'es prête? Ouais. Ben, j'espère que tu seras plus là quand je vais sortir. Je pensais pas te dire ça un jour, mais tu vas me manquer un peu. Ouais, mais de toute façon, j'ai droit à 2 visites par jour, donc si t'as envie de venir. Ouais, ben, y a moyen, ouais. Ok. Ok, en fait, c'est mon frère qui me l'a donné, et juste, est-ce que tu pourrais lui rendre si je peux pas? Je m'attends. Voilà, tiens, c'est Léo. Tu l'avais depuis le début. Mais rigole pas. Non mais, c'est drôle. Juste, tu peux lui rendre si moi je peux pas. S'il te plaît. Tu t'inquiète pas, tu vas lui rendre toi-même. Ouais. Jessica, on y va? Oui. Et bah, salut. 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 Bon, qu'est-ce qu'il fait, là? Il va revenir, t'inquiète pas. Vous êtes dit quoi, tout à l'heure? Ah, rien, rien. Tu veux pas qu'on aille à la cafette? J'ai soif, là. Non, non, tu veux où? Attends. Maman. Maman, attends-moi. J'en étais sûre. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui as volé son téléphone? Je lui ai emprunté une nuance. Et puis là, elle s'en sert pas. Elle en a pas besoin. Donc, par contre, nous, on en a besoin. C'est pas vrai. Hey, mais. Allez, comment on y va? Attends. Non, je reste pas une minute de plus ici.
D'accord. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que mon fils aille bien et que ses résultats soient bons. Alors maintenant, on la laisse tranquille. C'est clair? Reste là. Viens. 2 minutes. Écoute-moi. Tu vas faire quoi, là? Tu vas rentrer chez toi comme si de rien n'était? Ton fils, ça lui ronge le cerveau, il veut savoir. C'est juste un numéro dans un téléphone. Un numéro. Tu voulais écarter toutes les hypothèses? Eh ben, ça, c'est une hypothèse. Et je suis sûr que tu y crois ce qu'il raconte ton gamin. Moi, je veux juste le retrouver. Mais c'est comme ça que tu vas le retrouver. Appelle Olivia. Allô ? Iris ? Olivia ? C'est Olivia ? Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil ? Iris, t'es où ? Allô ? Iris ? Allô ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ? Allô, Iris ? Ça va, le médecin t'a expliqué ? Tu me suis ? Je te déséquipe. Tu te laves les mains. La solution hydroalcoolique, tu appuies. Tu insistes bien sur les doigts, les poignets et les avant-bras. Ouais. Ça va ? Je te laisse entrer. Vas-y, tu peux y aller. Je reviendrai te voir tout à l'heure. Là. Ouais. Vous prenez quoi? Moi je vais prendre un demi. Ouais, bah, moi aussi. Et toi? Pareil. Merci. Charlie, je vais la voir. Ça va? Il te mate pas trop là? Un Rox? Pardon? Je sais pas, vu que tu étais plein, mon mec il te matait. Et alors j'étais fatiguée, j'en avais marre. Il te faut tout toi en fait, c'est ça? T'arrives, tu fous la merde partout. C'est pas de ma faute si t'es frustrée parce que t'as pas été prise dans ton école de merde. Et moi, c'est pas de ma faute si ton mec il met tout ce qui bouge. Ça va pas, les filles? Rox, t'es au boulot là, on n'est pas à la maison. Allez, va t'asseoir. Toi, termine ta commande. Et voilà. Salut. Salut. Fais ton choix. Ok, petit indice. Ça se mange. Non, mais j'ai pas faim. Mais merci quand même. C'est du chocolat. Hein. Ouais, mais j'ai pas faim. Tu te sens mieux? Ça va. Et tu prévois de faire quoi, là? Tu veux faire un truc avec moi? Bah là, il y a un riffier chirurgien qui va venir. Du coup, ça va durer 3 heures, je pense. Je peux passer après, si tu veux.
Non, t'inquiète, je vais être crevé, il faut que je me repose. Bon, bah ok. Je pourrais manger ça toute seule, hein. Puis moi, j'ai toujours faim. Moi, j'ai toujours faim. Ah, elles sont trop bonnes, ces dates. Ça va, ma chérie? C'est quoi, ça? Eh ben, tout ça, c'est la famille, ma chérie. Heinen de Berlia, arrête de manger des cochonneries. Ma chérie, donne un verre pour ta fille. Tu veux du soda ou du jus de fruits? Aïe, moi, je vais m'asseoir, j'ai mal aux pieds. Et peu importe, mais je comprends pas, on fait un truc, là? On fait qu'on est une famille et qu'on est ensemble. Je me suis dit que ça te ferait du bien. J'aurais pas dû. Si. Bon, ben on va trinquer, hein? Allez. Allez, tchin tchin. Tiens, mon mari. Merci. Allez. Allez, tchin tchin. Dors. Les yeux dans les yeux, y a pas de trahison. Voilà. Les yeux dans les yeux. Allez, mon gendre. Tout un poème, hein? Yanis, tu peux me donner le traitement de Madame Deschamps, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ça va? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? En fait, j'ai un gros service à te demander. Quoi? Faut absolument que je repasse chez moi. Oui, bah tu partiras à ta pause. Non, mais sérieusement, c'est tout de suite là, c'est urgent. Quoi, qu'est-ce que tu dois faire? Non, mais c'est pour mon papy. Il a besoin de son pyjama porte-bonheur. Non, mais sérieux, je l'ai oublié, j'ai pas fait exprès. Mais dis. Non, mais je te jure, c'est vrai. Vas-y. Je te laisse 20 minutes. Sérieux? Ouais, mais pas plus. Mais pas une de plus, hein. Mais dis sérieux. T'inquiète. Donc, tu disais qu'il est gros. Oui. Zama, gros, gros, gros. Oui, enfin, plutôt gros, pas... Comme l'oncle Bilal. Ah, t'exagères, il est pas si gros, l'oncle Bilal. Ah, depuis son mariage, il y a un moment, il en a pris du poids bien vitaminé. Ça va pas, ma chérie? Si, si, ça va. T'es sûre? Écoute-moi, tu sais que le mariage, ça fait grossir. Ah. La preuve, regarde ton mari. Voilà les chantaillants. Ben merci, tiens. Non, ne le prends pas mal. Ton père, Sid Ahmed, Allah yarhamou, Allah yarham, paix à son âme. Et bien, quand on s'est marié, il a grossi. Mm-hmm. Et quand il est mort, moi, j'ai maigri. Oh, mon petit. Non, ma chérie, c'est ça, l'amour. Mais tu vas où, toi? Je reviens. Mais attends, c'était ton tour, là. Laisse-la. De toute façon, il est tard. Il va falloir qu'on y aille, parce qu'après, ça va être les bouchons. Attends. Qui c'est Omar Simpson? C'est Homer Simpson, maman. Et qui c'est lui? Ben, c'est la famille Simpson du dessin animé. Moi, vous me donnez dessin animé là, et vous, c'est politique, c'est Brad Pitt. Mais c'est parce que t'es rigolote, maman. Mais il y a un peu de... Allez, on y va, c'est l'heure de partir, là. C'est quoi ton problème? Quoi? T'es super distant avec moi. Tu peux pas me laisser comme ça. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, tu dois me dire ce qui se passe. Je sais pas. C'est juste que... Voilà. T'as changé d'avis? Je te plais plus? Si c'est ça, je te comprends. Non, c'est pas ça. C'est compliqué. C'est quoi alors? Tu te fous de ma gueule? Bah super. Laisse tomber, je suis vraiment trop conne. Non.
C'est ta mère. Quoi, ma mère? Elle est venue me parler. Hanouna, on va y aller? Ça va, Nour? Non, ça va pas, non. Qu'est-ce qui se passe? Quoi t'allais lui dire des trucs pareils? Mais de quoi tu parles? Clément, t'es pas allé le voir, peut-être? C'est quoi cette histoire? Qui c'est Clément? Mon copain. De toute façon, c'est pas le moment. Avec ce que t'es en train de vivre... Quoi? J'ai plus de cheveux, j'ai plus de sang, donc j'ai pas le droit d'avoir une histoire, c'est ça? C'est pas ça que je veux dire. Mais putain, mais tu sais rien de ce que je vis ici! Tu sais pas ce que c'est que d'avoir la peur au ventre tous les matins? Avant chaque contrôle, avant chaque rendez-vous. Tu sais rien de tout ça. Lui, il sait. Ma chérie. Fous-moi la paix. Tu devrais avoir honte. Mehdi, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis là pour la visite. Ah bon? Enchanté, je suis le petit-fils de Monsieur Kamisoko. Ah, enchanté. Enchanté. Mais ton grand-père m'a rien dit. Ah ça, je sais pas, mais allons-y. Oui, oui, bah allons-y. Je fais visiter. Bon, calculez pas le désordre, hein. Ce qui compte, c'est le volume. Ah ouais, bah, il y a quoi faire, en effet, ouais. Ah oui, je vais pas vous mentir, hein. Ici, il y a un ballon d'eau chaude qui a explosé juste au-dessus de chez nous. D'accord. Récemment? Ah, il y en a eu plusieurs. Le problème, c'est qu'il y a un truc qu'on a mal fait, et du coup, l'assurance, elle nous a planté, et depuis, on a pas pu refaire. Bah, en conclusion, le mur, il est rempli de flotte. Mais vous inquiétez pas, ça va sécher. Ah, quoique, la ventilation, elle est pas top, hein. En été, la chaleur laisse tomber. Bon, on dirait pas comme ça. Ah, bah, je vous assure, hein. Vous savez, je vis ici depuis que je suis tchèque, mon papy. Je connais tout par cœur. Oui, enfin, faut pas non plus exagérer. À ma connaissance, le garage a toujours été en bon état. Ouais, mais vous savez, vous êtes pas tout le temps là. Ah oui, et pour le mur, vous savez, vous avez juste à mettre des motos devant, et ni vu ni connu. Les clients, ils verront rien du tout. À part si le mur tombe, bien sûr. Non, on n'en est pas là. Ah oui, pour le compteur, vous savez, il y a une petite astuce. Au cas où, bah, les plans, ils sautent. Ah, donc avec tout ça, j'imagine que le prix est négociable? Non, pas du tout. Ah bon, mais j'avais cru comprendre que M. Kamisoko était pressé de vendre. Le plus vite possible, oui. Il prend sa retraite, c'est ça? Non, il y a un problème dans le bâtiment. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, Mehdi? Je me demande s'ils vont pas le détruire. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est vrai. Oui. Si. Bon, je pense que le plus simple, c'est que je revienne pour une deuxième visite avec mon associé. Ben, c'est ça, ah, voilà. Voilà. Hein? Merci. Début de semaine prochaine. Voilà. Mardi, oui. Salut, Mehdi. Ouais. Tout va bien. Je vous raccompagne. J'ai vu. Oui, alors, ça, c'est bien. Non, je suis pas inquiet. Au niveau de la ventilation, ça doit mal. C'est le gros d'assassin, c'est ça. Ça le comprend, je vais déjà. Bon, c'est un beau volume. Oui. Hein, ouais. Tiens, je suis sûr que c'est elle. Laquelle? En rouge. Ah ouais. Ah ben non, c'est pas elle. Et tu sais comment on peut la reconnaître? Elle t'a pas dit si elle était blonde ou brune? Non. C'est elle. Olivia? Comme? C'est toi, Comme? Bonjour. Bonjour. J'ai fait aussi vite que j'ai pu, c'est quoi cette histoire? Comment vous connaissez Iris? Je suis un ami. Et elle va bien? Bah venez, je vais tout vous expliquer. Venez. Hé, laisse-le faire. Venez, vous pouvez lui parler, hein, je vous assure, elle peut vous entendre. Allez-y.
Maman, c'est moi. Je suis désolée. Comme... Merci pour tout. Bien passé? Ouais. Je suis désolée, j'aurais dû te faire confiance. T'inquiète, tout va bien. Salut! Oui. T'as un truc de prévu? Maintenant là? Ouais. Non. Ça te dit qu'on aille boire un café? Ouais. Ouais. Ok. Je t'ai dit de me laisser. Ma petite fille, j'ai pas envie de te parler. Nour, écoute-moi. C'est assez difficile comme ça. En fait, je voulais juste t'avoir pour moi toute seule. Je sais, c'est égoïste. J'aurais jamais dû faire ça, mais j'ai pas pu faire autrement. C'est juste que... quand je suis pas ici avec toi, je me sens coupable. J'ai l'impression de t'abandonner. Je sais bien que t'as besoin d'air, mais... parfois, j'ai tellement peur. Et tu crois quoi? Tu crois que j'ai pas peur aussi? Je sais. Je suis désolée. T'es vraiment chiante, tu sais. Tu pourras m'excuser auprès de Clément? Ma petite chérie. Je suis à la bourre, les gars, désolé. Amédi. Excusez-moi. Il vient me chercher partout. Je suis vraiment désolé. Vous m'excusez, j'espère. Amédi, il faut qu'on me parle. Je suis viré? Écoute-moi, Amédi. Je suis viré. Mais non, t'es pas viré. Y'a quoi, là? Pourquoi vous êtes chelou comme ça, là? C'est ton grand-père. Quoi, mon grand-père? Amédi, c'est important que t'écoutes. Il a quoi? C'était imprévisible, Mehdi. On a rien pu faire. Quoi? Mais je veux le voir, moi! Il est mon grand-père! Mehdi! Lâche-moi! Viens! Attends! Mehdi! Thank you.
l'espoir, ça peut paraître bien mince. Ça peut paraître encore moins efficace qu'une fronde. Mais c'est la seule chose qui peut faire tomber le géant invisible. Parce que tant qu'on espère, on est encore vivant. Même si on peut être encore vivant sans plus rien espérer.